La meilleure partie, c'est l'abdomen, parce qu'il y a les œufs dedans. Ça éclate à la cuisson, c'est bon. Mais parfois, les clients n'arrivent pas à manger cette partie. Certains ont une sensation de dégoût. Ils ont l'impression que ce n'est pas propre. C'est comme avec les grillons, ça donne l'impression de manger de la terre. C'est pour cela que la plupart des gens préfèrent les pâtes. Alors, si j'avais bien compris, il y avait au menu ce soir un petit amuse-bouche tout en délicatesse. Ça vous dirait une tarentule frite à vous ? Dans la salle, quelques clients téméraires avaient déjà des sueurs froides. À la table d'à côté, ça allait à peine mieux. Ouais, je veux bien tendre mon bras, mais ça va pas durer longtemps. C'est assez particulier, ça pique un petit peu. On sent que c'est poilu et je suis pas trop fan. Tu veux pas prendre une photo? Je m'évanouis. Moi, c'est le moment que j'ai choisi pour filer à l'anglaise. Direction la cuisine. Et franchement, là, c'était encore pire. Alors, pour les tuer, il faut leur appuyer sur le ventre avec le pouce. Comme ça, elles sont décontractées. Et elles meurent facilement, vous voyez les enfants? Le moment de goûter approchait. En fait, c'est un goût très spécial. Ça a le goût du bois. C'est normal, les tarentules vivent dans la forêt. Oui, ben moi j'allais être très difficile à convaincre. Mais le jeune homme semblait décidé. Il faut faire abstraction de l'image de l'araignée, en fait. J'attends quand même, je suis sympa. Alors ? Ouais, ça passe, c'est un goût de frit. Un goût de friture, un peu salé, assaisonné, mais... Ouais. En plus, c'est bon. On vous en laisse une. Ah, non merci.